C'est quoi, c'est quand tu atteins le niveau max? Ouais, c'est plus ou moins ça, quoi. Faut y aller mollo. Hop, je lance. Ok, ça a l'air de fonctionner. La vidéo qui lance à chaque fois. De quoi? Le jeu il lance toujours une vidéo à un moment donné, il te bute passer avec une touche. Je t'entends laguer, mais ouais, ok. Après, c'est peut-être de mon côté, hein, comme je teste plein de trucs là. Tu m'entends bien, toi? Ouais, moi je comprends. Okay. Oups. Ok. Il est bien leur routier à Twitch alors? Bah écoute, pour l'instant, de ouf. Hyper intuitif, je l'ai jamais lancé, moi je découvre. Des stats t'as fait avec ou pas? De quoi? C'était là. T'as des stats avec ou pas? Oh oui, je pense. Que sur OBS, l'avantage c'est que tu peux mettre des plugins, tu peux voir ton nombre de followers, les heures de connexion, les trucs comme ça. Ouais, mais Twitch le fait de base, tu sais. Donc après, j'aimerais bien voir à quel point il me prend plus de bande passante. Ouais. Bon, c'est réactif là, j'ai l'impression, faudrait voir. Alors, je vais t'inviter. Tac. Alors, invité dans le lobby. Poup. Alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai même pas un Toi, tu message qui joues quoi, pote. toi, pour l'instant? Tu m'as dit l'elfette, hein. Là. Ouais. Ok, alors je change Comment est-ce parce que que je fais j'avais pour te l'elfe. rejoindre? Tu sais, tu fais Maj tab shift pour faire apparaître le menu de Steam, quoi. Ah, c'est bon. Et C'est bon. l'outro a rejoint la partie. Alors, ni level, je suis 277, hein. Oh putain! Ah ouais, t'as compris le craft, t'as tout, ouais, t'as tout grindé comme un gros bâtard comme d'habitude, quoi. Ouais. Ouais. Bah, les crafts, c'est pas trop compliqué à comprendre, mais je l'ai découvert là. Ouais, bah ouais. Alors regarde, je vais te montrer. Alors, appuie sur I. Ouais. Voilà, t'as pas besoin de, tu sais, d'aller à la forge. Ensuite, t'appuies sur M, tu lances les games. Et t'as 2-3 raccourcis comme ça, je te laisserai regarder les autres, tu sais, dans tes raccourcis clavier. Ouais. Et du coup, tu vois, quand t'ouvres la forge, bon, bah, t'as les talents, l'artisanat. Et quand tu te mets sur équipement, et ça, c'est Stellar et Woolstone qui me l'ont appris la semaine dernière, donc je découvre comme un gros débilos. T'appuies sur F en faisant, tu sais, tu mets ta souris au-dessus d'un item que tu veux garder, et t'appuies juste sur F, et ça le met en favori. Il n'apparaîtra plus dans les items, tu sais, que Ah, tu. des verres Hades. à pourri, ouais. Et ouais, du coup, mec, ça te fait gagner un temps de ouf parce que y a plein de fois où je suis là. Attends, merde, celui-là, je le garde ou pas? Et c'est trop relou, quoi. Et en fait, il y a juste un truc prévu, mais je savais pas. Bon, bah là, je te dirais que tous les items, je les dégage au fur et à mesure. Ouais, en vrai, pour l'instant, ne t'investis pas du tout à changer les lignes de tes items, les lignes bleues ou les traits légendaires, tant que les items sont pas 300 en puissance. Ok. Ça sert vraiment à rien, tu vas gâcher tes compos. Moi, je ne touche à rien dès que c'est pas 300, je daze. Bon, si t'as moins bien, Ah bah, t'équipes, mais. je me suis juste crafté un bâton. Ok, bah t'as bien fait parce que. Bon, après, il est 156, mais t'as bien fait comme ça, t'as le gameplay et tout ça. C'est Du ça, coup. parce que j'en avais marre que de jouer là. Ouais, mais fais tab, tu maintiens tab. Et tu fais Ouais. clic droit. Et là, tu peux bouger le curseur au-dessus des items, tu vois les miens et tout ça. Ah oui, d'accord. Ah ouais. C'est cool, hein? D'accord, tu vois. Ok, je sais Et du pas. coup, tu vois, toi, t'as pas encore les talents débloqués puisque t'es level 12, mais et t'as pas le même stuff, etc. Donc là, tu vas voir la diff, mec, c'est
T'as deux jeux quoi. C'est au début tu galères comme un connard, t'as, t'sais, comme tu disais, tu te vides de tes munitions et t'as peu de moyens d'en retrouver. Et au fur et à mesure, tu verras sur les bons items, t'iras chercher les bonnes lignes. Genre un tir à la tête égale une munition. Et toi qui vises bien Ouais, et en ça c'est FPS. infernal. Ouais, voilà ça. Toi qui vises bien en FPS, mec, bah, ce genre de perso, tu vas être hyper fort avec, c'est sûr. Regardera. Je te laisse lancer du coup. Ouais. Parce qu'on. Ah oui, et O, c'est pour voir les défis et tout ça. Ok. Ouais. Alors, la seule chose que j'ai pas pu faire, c'est changer le taux de rafraîchissement de l'écran. Tu sais si on peut le faire ça? Ça y est pas en option. Donc, je sais pas si le jeu le permet. Sais pas, tu me poses une colle là, j'avoue. Alors, attends, option, vidéo. Attends, il va bien courir là. Non mais ça se trouve c'est moi qui a. J'ai mis un courant de résolution, non c'est bon il a mis un 144. Ouais moi aussi j'ai un 144 et j'ai vraiment l'impression qu'il le fait. Hein. C'est putain de Ouais fluide. c'est bon. Hein. Ouais. Ok bah écoute, let's go mec. Alors pas en légendaire. Je m'arrive au troisième niveau. Ah t'es en champion là ça y est? Ouais, j'ai commencé à en faire un champion, ouais. Mais comment tu fais puisque t'as pas la puissance à 300? Bah écoute, j'ai lancé en champion et ça m'a dit ok sur les parties rapides. Hein. Bah écoute, on essaye. Hein. Alors attends, champion. Ça passe là? Bah ouais. Mais c'est ouf! Attends, mais comment ça se fait? Par contre, faut être avec des bots, c'est ça? Oh, on s'en bat les couilles, t'inquiète, on va le riper. Après, il y a deux. Je crois qu'il y a deux missions qui sont très dangereuses. En fait, les maps sont pas de façon, elles sont pas dures de façon égale. C'est-à-dire qu'il y en a, genre la dernière de Drakenfels, mais elle te déboîte le cul, mec, elle rigole trop pas. Et du coup, je crois que ça s'appelle le repère de l'enchanteur. Quand tu tombes sur celle-là, méfie-toi. Même genre en champion, je peux perdre. Elle rigole trop trop pas quoi. Et sinon, les autres, bah, c'est très variable. Des fois, il y en a des théoriquement simples, mais d'un coup, tu vas avoir une succession de pop de mobs. Mais le jeu veut ta mort, tu vois. Et le groupe wipe en 2 secondes. Et des fois, t'en as des censés être durs sur lesquels tu roules. Donc, il y a vraiment un côté assez fun de. Putain, les maps, t'as beau les faire et les refaire. Putain, mais c'est jamais pareil, quoi. C'est vraiment trop cool. Que je suis, hein. Ouais, pas de soucis. Alors, je connais pas encore bien les endroits des. T'as compris le coup des grimoires et des tomes? Ouais, tu perds des HP, mais ça te file de meilleurs à items à la fin et tout quoi. la Et c'est vraiment significatif, c'est pas genre un peu, hein, c'est vraiment énorme. Du coup, ça vaut le coup, mais je connais pas encore tous les emplacements. Du coup, par exemple, cette map, je m'en souviens pas trop quoi. Ouais. Oui, non, mais après, je m'en fous, ouais, tu sais. Ouais, non. Faut que tu t'amuses. Mais surtout le temps de l'Apex quoi. Tant que t'as pas ton tu vrai bloques tes perso. Flots ou pas? Tout le temps. C'est la règle du jeu. Hop, attends, ouais. La règle du jeu, c'est comme ils le disent les autres quand ils jouent avec moi. T'as toujours un connard dans ton dos. Toujours. C'est la règle. Oui, ça j'ai remarqué, ouais. Du coup, tu te protèges, tu te tournes. Vas-y, abat-le si tu peux. Parce que moi j'ai pas de. Yes. Parce que moi j'ai pas de range. Je suis un des rares persos qui a aucune arme de range. Donc. Nickel. Hop. Ah, je me fais assassiner. Non, c'est réglé. Du coup, ouais, c'est tout le temps en garde. Alors, je te dis ça, j'y arrive pas. Hein. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. Tout le temps en garde, tout le temps prêt à esquiver. Et de façon générale, être toujours conscient que dans ton dos, il y a un connard. Voilà. Ouais, ça j'ai remarqué. Après, je te dis tout ça, j'y arrive pas. Il y a plein de moments où bah, je suis pas encore assez fort. Quoi. Et c'est pour ça que je te dis, il a l'air de rien ce con de jeu. Ouais, bah ouais. Mais je te dis, il a l'air de rien ce con de jeu, mais il est ultra skillé et frénétique. C'est ouf. Il y a un truc qui me dérange dessus, c'est la précision par contre des hits. En fait, ça dépend complètement. Il est con ce bot. Ça dépend complètement des armes. Les armes, elles ont pas le même swing. T'as des swings sur les côtés, t'as des swings juste après, elle va faire une attaque de haut en bas. Ça dépend totalement des armes. Et c'est pour ça qu'au final, t'auras tes armes préférées à toi. Et c'est pas qu'elle est mieux ou moins bien, c'est juste tu vas avoir un meilleur feeling avec. Tu vois, par exemple, là, la mienne, elle fait deux sur le côté et un de haut en bas. Du coup, je sais quand je vais avoir le haut en bas, c'est garanti, j'arrive à le placer dans la tête. Tu vois, là, pouf, je le savais.
Tu vois ce que je veux dire? Et au bout d'un moment, ça devient assez automatique. Mais au début, mec, mais c'est hyper dur. Et tu t'aperçois pas que... Tiens, je t'ai pingé une popo. Tu t'aperçois pas que le jeu te résiste autant. Au début, t'es là, tu swings comme un connard. Et en fait, ça se joue pas. C'est pas si simple, quoi. Tu me dis aussi à quel moment tu popo, etc. Si t'attends d'avoir 20%, je Alors, vais ou... apparemment, je suis un peu mauvais pour ça. Les autres, ils arrêtent pas de me dire économise, économise. Et moi, dès que j'ai une popo, je prends comme un connard. Du coup, honnêtement, je suis pas un bon exemple. J'essaierai de t'aider, mais je pense que je peux te dire beaucoup de conneries quand même. Gros, c'est ne pas t'écouter. Là, tu vois, je sais pas où je sais pas où je vais. Voilà. Ok, putain, moi qui me dis que je suis, je connais très bien. Non, non, j'ai encore tellement à découvrir, mec. On va crever comme des pauvres je merdes. J'en avais fait une en solo, j'avais mis une demi-heure à trouver le truc où il fallait aller. Ah putain, c'est en bas. Merde! On peut pas sauter. Bon, ben voilà. Bon, on va faire le tour, on va descendre par là. Attention à lui là. Oh, j'ai eu normalement. Ah putain, l'enculé. Oh, pas. Tu vois, avec mon perso, j'ai la capacité. J'ai un bouclier de Bretonnie et je peux faire face au lance-feu des Skaven. Le mien, pour ça, je le trouve très nul sur le niveau de son sort là. Le truc qui bloque le passage. Ah, c'est parce que t'as pas encore les talents qui font que ça fait ultra mal et tu vas l'avoir deux fois. En fait, ça fait une petite AoE deux fois et c'est un sort monumental, mais t'as pas les points de talent encore. D'accord. À l'arrivée, c'est un double burst et c'est énorme, ça fait vraiment trop mal. Genre, tu vois le gros monstre qui arrive là? Tu lui fais deux fois ton ulti, je te jure, tu le mets à un tiers de vie. C'est ultra violent. D'ailleurs, il est où ce connard? Il est sur la gauche, non? Ouais, il est là. Oh, je lui ai déboîté sa gueule. Allez, ça c'est fait. Arrête de déconner. Y a une horde qui arrive. Ouais. Je descends, tu me vois ou pas? Ouais. Vas-y, on descend. Prends la popo. Wouah, ça va être dur là. Faut arriver à le viser ce connard parce que. Nice, bien vu. Mon cul. Derrière nous, c'est bon. Ouf. Ce que je prends. Ouais, eux ils sont très dangereux. Les moines de la peste là, c'est hyper dangereux. En fait, ils ont pas d'armure, mais ils te cassent la gueule. Là, je vois pas ce qu'il faut taper. J'essaie de le faire tourner, il me cible moi. Nice. Ok, nice. Derrière quand nous. En blanc comme ça, tu meurs si jamais tu te heal pas, c'est ça? Alors, les points blancs, c'est les points de vie temporaires. Okay. C'est chouette, hein, franchement, ça t'évite de crever quoi. Bon, tu vas me détester, hein, mais je sais pas où on va. Il faut aller libérer Jean-Charles de ça. Ouais, est-ce que c'est par là? Non. C'est là où je suis peut-être. Ouais, ça a l'air. Je crois que c'est ça, ouais, t'as raison. Ouais, je suis plus passé là. Bon, il y avait un petit coffre, mais on s'en bat les couilles. Nice, il est bon, il est bon. En fait, faut vraiment pas te suivre. Hein. Non. Dans tous les jeux. Hein. De toute façon, c'est une constante, hein, ça, c'est. Touche pas mon copain. Rien de dommage. Alors après tu vas, tu t'as vu en mode champion, tu as le friendly fire, donc faut faire, ça il faut, là. Hein? Ça bug hein. De quoi? Bah là je te vois courir dans un mur. Ah? Connexion avec l'autre perdu. Ah merde, je suis. Bah moi je vois le jeu. Ah, c'est bon, c'est revenu. Bizarre. Tourne-toi pour voir. Ah, voilà. Bon. Ah merde le bâtard. Bah et l'autre il a perdu aussi la connexion tu vois. Trop bizarre. Le mec il est pas un bot. Ouais c'est peut-être que c'est peut-être l'outil de
de stream que j'utilise là, le truc que je teste, tu sais, de Twitch, le Twitch Studio. Je l'ai peut-être pas bien réglé, il faudra que je teste. Non mais, mec, il prend pas de dégâts là? Ah bah là, je sais pas ce qui s'est perdu, connexion avec l'autre perdu à nouveau, ouais. Putain, mais c'est vraiment bizarre. Ça me recharge, je sais pas où. Au fond des cornes. Bah rejoins ma game, attends, je vais essayer de t'inviter. Ouais, ça m'a dégagé. Alors, tu m'as dit que c'était quoi les touches pour te rejoindre? Ouais, Shift et Tab. Ça. Ok, ça me croit trop. Alors, ouais. Oh, mais c'est quand même bizarre. Tu crois que ça vient de moi? Bah, ouais, j'ai pas de problème sur la fibre, mais c'est pas pour mon problème. Ouais, et comme c'est moi qui stream, je pense que j'ai peut-être mis une qualité de trop élevée. IDL plus ton truc. Non, IDL pas en back, j'ai mis pause. Ah, il y a grave de monde. Ouais, je vois ça. Ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai pas de lag. Je suis allé stéphée, choper le cul. Ah, il y a un gros là. J'arrive, hein. Vous vous en sortez? C'est quoi, c'est un gars du chaos? Ouais, mais j'ai fait une derrière nous, ça revient. Ok, nice. Ça arrive par en haut. Wouhou! Bon, mais c'est bon là. Non, je vais juste prendre ça. Alors, Woolstone et Stellar, ils me disent souvent que la potion, par principe, c'est pour toi. Tu la prends. Et les remèdes, dans la mesure où tu peux soigner les autres, etc., en général, on les garde pour les autres. Ok. Voilà, mais bon, et mec, tu débutes, pense à toi, tu te heals tout le temps, d'accord? Mais c'est juste pour info, quoi. Alors là, tu vas devoir réparer les fenêtres. Mmh. Le plus longtemps possible. Et comment? Tu maintiens E. Au fur et à mesure, ils vont les péter. Ouais, je pas sur la mienne alors. Je te cache pas que je leur déboîte la gueule avant tout. On va pas non plus. Je suis plus soldat qu'entrepreneur. Non, mais y'a qu'à survivre en fait là. Ah oui, c'est de la c'est de... Ah, yeux, aïe aïe aïe, oulala, c'est passé au sud, au fond. Ok. Je te dirais que je suis en haut. Mmh. Voilà. C'est passé en haut aussi. Ok. Moi j'en répare, hein. Merde. C'est plus simple de... Aïe. Ouais, des fois c'est plus simple de combattre que de... C'est monté. Voilà, là je vais essayer de remonter la... Ouais non, si on occupe, c'est bon. T'arrives à le relever, le mec? On va essayer. Je pars en haut du coup. Ah, je vais me faire attaquer avant, je crois. Non. Là c'est bon. T'es où toi? En haut. D'accord. Tu t'en sors ou pas? Oula. Ouais, c'est bon. Là il faut s'enfuir, il faut s'enfuir. Ouais, mais il faut d'abord que j'arrive à me heal. Je t'attends devant le point de fuite. J'arrive là. Allez-y, allez-y, fuyez. Je vais essayer de couvrir le dernier là, le répurgateur. Il y en a en fait en bas aussi.
Ouais, il y a du monde partout là. Aïe, non. Putain, mais qui me frappe? Ah, mais il y a une petite merde là, quoi. Je le savais, quoi. Je suis tombé à terre là. C'est grave le bordel. Il y en avait. J'ai dû y aller, non. 32. 22. Ah, j'ai pas réussi. Non. Je vais venir te sauver, t'inquiète. Oh, je sais pas. Allez, crevez, 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 crevez. Pourquoi mes potes me suivent pas et couvriraient mon arrière là, voilà. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Salut Stellar, ça va? Je suis en train de faire découvrir un de mes amis le jeu. Décède, décède. Yes, voilà. Allez, on se casse, on se casse. On veut pas le nain. Ouais, merde, qu'est-ce que je fais? Hop là. Ton sort là, il est ultra fort, c'est vraiment trop trop fort. Tu peux prendre des unités d'élite de ouf et tout, les mettre en l'air et nous on les découpe, enfin c'est n'importe quoi. Ce truc est vraiment très fort, je crois. Je ne sais pas du tout où il faut aller. Eh bien, je ne vais absolument pas te suivre. Je suis sûr que même avec la. Ça m'a bouffé ma potion. Ah, attends, t'inquiète, reviens. Reviens, reviens, reviens. Quoi tu? Kerylian, que je fasse pas de la merde. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est clic droit en ciblant un pote pour le heal. Ah, ça a l'air d'être là. Il y a un grenadier. Un globadier, pardon. Ouais, tu l'as tué, c'est bon. Attention, il y a un sorcier dans le coin. Ouais, il est là. Ouais, il y en a eu, je crois, 3 à la suite. Et on a du monde dans le cul encore. Ouais, toujours, c'est la règle. C'est la règle, comme ils disent Stellar et Woolstone, c'est perma dans le fion. Enfin, ils le disent pas comme ça en vrai, mais je traduis. En général, j'aime bien. Quoi. Je savais que t'allais faire une blague, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand c'est moi, non, ça m'intéresse moins déjà. Ouais, c'est, tout est relatif, hein, tu vois. Mais dégage, je me protégeais là. Cette petite merde, il a tapé pile poil au timing où mon coup et partait. C'est quel niveau que t'as du Friendly Fire? À partir de champion, il y a du Friendly Fire, mais il est très léger. Franchement, là tu me tires dessus, mais pff, j'en ai rien à foutre quoi. Par contre, je crois qu'en légende des katas, je crois que ça. En légende, c'est un peu plus fort, il me semble. Et en kata, ça doit être insupportable. Le sorcier. C'est bon. Putain, mais il y en a un autre. Ah, il m'a eu. C'est bon. Ouais, bien vu. Wouah, j'ai pris trop cher. Ah, j'ai trop de monde sur la gueule. Non, je les ai ratés. Merde, putain. Voilà, faut me raise, hein, sinon vous êtes dans la merde. Ouais, mais je ne peux pas. Nice. Putain, mais c'est vrai, il y a ce système de mecha. Bon, bien vu le nain, il m'a raise direct. Y'a que le système où tu perds de la vie quand tu tires trop souvent qui me gonfle. Hein. Quand tu tires trop souvent. Ah, avec la sister. C'est comme le mage. Ouais. Ouais, mais c'est pas. C'est quand même moins pénalisant, je trouve. Ah, oh bah écoute, je me suis défoncé la rondelle. Ouais,
worrying than that noise. Blake Stormer, bring him down before he casts. Où je suis allé? Il est où ce connard? Cool. Là t'as des munitions. Ah mais non, tu t'en branles toi, je suis con. On va aller. Ah oui, tu vas kiffer là. Cours pour ta vie. Ah ouais, j'ai vu, y'a pas mal de petits trucs qui sont scriptés. Ouais, ça, franchement, c'est assez cool. Ça change. Même si tu te dis, tu t'arrêtes en plein milieu, ça sera rien non plus quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, encore une fois, ouh putain. Encore une fois, je crois qu'en légende, ça doit faire évidemment plus de dégâts. Il doit y avoir plus de mobs. Des fois, tu finis par un monstre et des connards qui te contrôlent. Plus l'autre qui tire à l'autre bout de la map. Enfin, tu vois, c'est tout devient exponentiel en fait. Alors, qu'est-ce qui est le plus rapide, nous ou les mobs? Les mobs, toujours. Il faut toujours te retourner tôt ou tard. Wouhou! Il est où l'autre? J'adore, mon perso il arrête pas d'engueuler le tien. Stop shooting me, Kerillian! Ah, ben voilà! Bon, alors on n'a pas été très efficace en termes de géolocalisation et tu sais, des tomes et tout ça. Mais bon, on peut pas. Aïe. Bon, je te dirais, je m'en fous tant que je suis pas max level là. Hein? Tant que je suis pas max level, pour le moment, je crois que je m'en fous. Hein. Ah oui, non, c'est clair. On s'en bat les couilles. Ça fait un peu plus d'XP et tout, mais franchement, vas-y, on va juste s'amuser. Tu prends des levels et au fur et à mesure, tu t'habitues aux items. Puis, enfin, tu vois. Ah ouais! Oui, on a qu'une amélioration de coffre. Ouais, on a rien. Coffre du villageois. Ah ouais, les dommages. Ah ouais, non, ouais, et encore. Bon, là déjà, ouais, je commence à piquer un peu. Mais tu verrais les mecs en full rouge qui savent vraiment mieux jouer. Là, ils seraient entre. Hein? C'est basé sur le e-level du coup. Ouais, t'as un mélange de e-level et t'as un mélange de rôle. C'est-à-dire que là, c'est mon rôle de moissonner comme un connard et de tuer les élites et tout ça. Et par contre, j'ai pas de range. Donc, faut m'aider sur ça. Et après, tu vas avoir des rôles de tueur de boss. Tu vois, ça peut être le chasseur de primes ou l'ombre. Et quoi que toi, quand t'auras tes points de talent justement et t'auras ton ulti et que tu vas le faire deux fois, mec, les boss tu les pulvérises quoi. Et donc du coup ça va venir avec le temps et ça dépend des items que tu fais aussi. Tu vois, si par exemple tu la joues à la... Bah en fait c'est pas qu'il faut, c'est que tu seras à l'aise avec plus ou moins des trucs. Tu vois par exemple ton perso il peut se jouer au javelot aussi. Et t'as plus le sort qui maintient en l'air et le truc que t'aimes pas trop là. Qui te brûle le cul au bout d'un moment. Tu peux le jouer au javelot et t'as 3 javelots, tu les lances et c'est des javelots magiques, tu les rappelles en faisant charger, tu maintiens le bouton chargé et ils reviennent dans ta main. Donc t'as pas besoin de ramasser des munitions par exemple, tu vois. Donc c'est hyper fort. D'accord. Et les arbalètes, pourquoi je peux pas les équiper? Avec ce perso, je crois que tu peux pas, mais par contre, tu peux avec toutes les autres elfes. Ok. Alors, javeline, donc je suppose qu'il faut que je crafte le javelot si je veux m'en servir. Alors oui. J'ai pas réussi à en avoir, c'est pareil pour le bâton, j'ai pas réussi à en avoir. Ouais, ça va venir, mec, t'inquiète. Hein. Après, ouais, si tu peux te le crafter, tu t'en fais un petit. Et à mon avis, tu vas aimer. À mon avis, tu vas aimer. Déjà, c'est super fort, c'est complètement pété. C'est genre un javelot, franchement, si tu le places bien, bah toi qui es bon en FPS, tu fais un headshot, tu one shot les unités d'élite et tout. C'est vraiment instant quoi. J'essaie d'en faire un. Ouais, ça c'est pas gâché parce que ça te fait tester un de tes gameplays principaux possibles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas gâché quoi. Ça tu testes et le bâton, et le javelot, et l'arc, enfin tu vois. Je trouve que pour tester des gameplays, c'est un craft qui vaut le coup. Après, de là à l'optimiser avant le e-level 300, voilà, c'est un peu dommage. Oh, il est bleu. Bah c'est bien, franchement ça passe. 163, c'est mieux que ce que j'ai. Allez, hop. Bah voilà.
Et du coup, bah je te laisse relancer. Ouais. On reste en champion, hein, c'était bien. Ouais, alors attends, tu m'as dit hier. Tu veux que j'attende un peu? C'est juste voir comment je récupère mon javelot, tu m'as dit. Ah, alors tu fais clic droit, tu maintiens ton clic droit. Et après tu fais clic gauche. Là déjà tu vas le lancer, tu vas lancer ton javelot. Ouais, ça c'est fait. Une fois que t'as ça, il t'en manquera un. Et donc du coup là tu fais, tu maintiens ta touche de rechargement. Donc ça doit être R je pense. Ok. Tu vois. Donc c'est un gameplay, c'est un autre gameplay, ça se joue différemment. Mais c'est très fort, hein. J'ai vu des mecs avec ça être proche de imbattable en DPS. Mais là il te manque tellement de points de talent, de stuff et tout ça, faudra pas que... Là faut pas que tu te compares, faut que tu t'amuses. Ah mais du coup t'as pas besoin de changer d'arme, ça c'est bon. Alors oui mais fais gaffe, il y a un revers de la médaille. Et pas des moindres, tu ne peux pas parer. Et mec t'as intérêt à maîtriser ce que tu fais hein, parce que tu peux pas parer avec cette arme. Donc le but de ce jeu c'est beaucoup de switcher entre les armes. Tu vois t'as une touche pour passer d'une arme à une autre. Tu l'avais repéré, ouais voilà. Et ben du coup quand t'es au javelot, oui tu peux attaquer au cac et tout ça. Mais par contre tu peux pas parer. Donc quand t'es vraiment dans la merde et quand tu commences à être submergé par une horde ou un truc comme ça, ou un gros monstre qui te fonce dessus, sans déconner, là tu switches et tu pars, hein, parce que sinon tu vas te faire OS. Salut Kaxer. J'avais pas vu. Ah mais il y a une ranger. J'ai rien compris. Non, je regarde le range de mon arme. Ah oui, tu vas voir, il finit par redescendre un peu. Normal, tu vois, c'est pas un trait d'arbalète. C'est vraiment c'est un javelot quoi. Donc ça a une très bonne portée, mais c'est juste que... Oh, attends, vas-y, je te laisse le tuer, voilà. Donc au fur et à mesure, tu vas le voir, si tu tires de très très loin, il va se mettre à redescendre légèrement en cloche. Mais pas beaucoup quand même. Donc voilà, tout ça, tu vas apprendre à en tenir compte et... Ah ouais putain. T'inquiète, ça va venir. Quoi? Ah faut laisser appuyer putain pendant 2 heures. Ah bâtard. Il y a un mec en moins chez nous. Ouais j'essaie de t'en laisser, je veux pas faire le... Non vas-y. Le gros bourrin. Ouais mais j'ai envie que tu t'amuses tu vois. Faites gaffe, il va y avoir une horde. Tu vois, quand t'entends ce gros bruit là, c'est que ça va chier des bulles carrés. Là, j'ai pingé une bombe. Ah. Je fais n'importe quoi, mais c'était rigolo. Bon, je vais la chercher la bombe. Ah, derrière nous aussi. Ouais, derrière nous. Attention à toi. Ah, du coup, c'est toi qui m'as touché. Et pour une fois. Ouah, le monde. Dans un beau couloir là. Derrière nous. Oh, c'est bien, t'as eu le réflexe. Moi, il faut que je m'entraîne au répurgateur. Je crois que ça va être un de ceux que je vais préférer, mais il faut que je m'entraîne. Je suis un énorme buzard avec pour l'instant. Par contre, je transfère pas les mecs, ça c'est un peu con. Attends, t'es sûr? Non. Ouais, si je tire sur un mec, ça tue le mec derrière. C'est bizarre. C'est peut-être que t'as tiré sur un mec blindé. Les blindés ils résistent mieux à ce genre de truc. Non, c'était les petits. Moi je pense que. Enfin, je regarde un mieux. Ouais, à mon avis, ça transperce. Hein. Ton arme elle est mais d'une violence peu commune. Hein. Ah, il faudra que tu t'assignes la. Il faudra que tu t'assignes la touche de ping. C'est hyper important. Ok. Bah tu vois notamment le répurgateur, il fait des dégâts accrus si tu pinges. Et c'est pour tout le groupe tu vois, donc c'est vraiment énorme. Donc dès qu'il y a un répurgateur tu pinges, et là c'est le cas, il y a un répurgateur avec nous. C'est celui qui a le chapeau là. Et ben tu pinges la cible, et ben tout le monde fait plus de dégâts dessus, mais genre 20%, hein, c'est vraiment pas de la merde. Ok, bah donc, faut juste que je le vainque. Donc c'est con mais ce perso, rien que pour ça il est super utile dans un groupe. Ouais, je voulais sous démerder. Y'a un bruit là. Ah, y'a un assassin aussi, attention. Ouais, vu. Wouhouhou.
putain, j'allais lâcher mon coup, mais il est vraiment arrivé vite. Ah, c'est pas moi qui ai eu. Arrête le jeu. Ouais, je fais un peu le punching ball un peu plus passif que d'habitude pour pas tout dézinguer sur mon passage, c'est pas drôle sinon. Ah, il y a une patrouille. Ça va être chaud, mec. T'es prêt? T'es avec moi? Allez, vas-y. Je suis loin, mais ouais. Toi, ferme ta gueule. Tu nous. Alors, je sais qu'ici il y a un tome ou un grimoire, je sais plus. Quelqu'un a pris, hein. Ah, d'accord, ok, super. Ouais, le nain il en a un, il a un tome. Merde, derrière moi, évidemment. Du coup, c'est 25% de HP en moins, on est comme ça. Le grimoire, ouais, en fait ça augmente la punition, elle augmente au gré des difficultés. Genre en légende, le grimoire il te met vraiment à mal. Donc quand t'en as deux, oh, c'est dur. Mais du coup, ils savent tellement bien jouer, notamment Stellar et Woolstone, que en fait, tu t'aperçois que leur façon de jouer, ça leur épargne de prendre des coups. Ils prennent très peu de coups en réalité. Du coup, peu importe s'ils ont beaucoup de vie ou pas, quoi, tu vois. Et moi, j'en suis pas là. Je prends encore beaucoup trop de coups. Attends, on n'a pas pris la clé. Oh, fuck. Je sais même pas où aller cette conne de clé. Ah putain, ça c'est chiant par contre de voir recharger autant. Ouais, mais il faut bien un revers de médaille parce que je te jure, quand tu vas avoir ton javelot optimisé level max, mec, c'est le truc il arrache tout. Hein. C'est, je dirais pas que c'est cheaté, mais ça mériterait un petit nerf. Hein. C'est ultra vénère. Y'a des messieurs. Bloop. Bloop. Ah, il a pris un grimoire là. Merde, j'ai pas regardé où il était. Ça a l'air d'être là-bas au fond. Ils ont dû trouver la clé et y'a un coffre, et je pense que c'est ça. Un Jean-Michel. Ouais, il y a un Jean-Michel. Je le vois pas. Ah, il est là-bas. Oh, si j'arrive à la voir. Wouah, heureusement qu'il a roulade. Ah, j'étais pas loin, je crois. Ouais, il a vraiment roulade au moment où t'as tiré, quoi. Nice. Mon perso il arrête pas d'engueuler le tien. Yo Woolstone, ouais. Ça va? Y'a Kazer qui me dit. Kagser, j'y arriverai pas. Qui me dit que le répurgateur c'est une tuerie. Ouais, en fait je le maîtrise pas bien. Mais je sens que quand je vais le maîtriser, c'est un perso que je vais adorer. D'ailleurs, t'aimerais beaucoup aussi, je crois, Lilo. En fait, il est moitié range, moitié cac. Et il est très vif, je le trouve très très vif. C'est le mec qui a le chapeau là. Mais il le joue pas comme je voudrais le jouer, il le joue au fléau. Et moi j'ai envie de le jouer à la rapière. Avec, t'as une petite épée, tu sais, des screamers dans une main et un pistolet dans l'autre. Et mec, ça a l'air trop fun, quoi. Mais c'est ce qu'il est, hein. Ça se tente, hein. Ouais, je vais essayer de... Mais Woolstone il sait bien le gérer, je crois. La dernière fois il a fait des dégâts de porc avec. Je l'ai de base ou pas? Non, hein. C'est le deuxième. Ah non, si, c'est le premier. C'est le premier de Victor Salspire, il s'appelle. Donc oui, tu l'as. Tu l'as de base. Bon, j'avance. Hein. Derrière vous? Ouais, je reviens. Tu sais esquiver ou pas du tout? Hein? Ouais, parce que c'est hyper important sur l'elfe parce qu'elle est très forte pour esquiver. Notamment quand tu la joues en servante, tu sais, la haute elfe. Un peu propre sur elle là, tu sais. Bah elle a une esquive qui va un peu plus loin. Et du coup elle est vraiment inchoppable, elle est trop forte, quoi. Putain, je moissonne comme un gros débile. Là c'est zéro brain.
putain, mais ça revient derrière nous, mec. Bah allez-vous, merde. Ouais, je fais écran, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Oh, je suis loin, je suis à distance. Ouais, il y a un Packmaster là-bas. Bon, je l'attends pas, hein, il est relou. Faut descendre. Ah! Merde! Putain, je regardais pas. Tac. Tu les récupères quand même tes javelots là, un mec. De quoi? Le javelot il devrait revenir quand tu tues un mec et que tu passes sur son corps. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça devrait pas être que magique. Pourquoi pas, hein, ouais. En vrai la suggestion est pas bête quoi. Merde. Bon là il y a vraiment beaucoup de heal, hein. je me heal quand même. J'en ai utilisé un aussi. Ouais, je vais pas économiser à l'infini. Oh. Il y a un des magiciens, il y en a encore un. Ouais, nice, bien snipé ça. Y'a plus de lag là, on est d'accord, hein. C'est... Ouais, c'est mieux, ouais. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être. J'avais peut-être. Tu sais, comme j'avais allumé l'ordi il y a pas longtemps, j'avais peut-être une mise à jour d'un truc en background, tu sais. Putain, il est tellement défoulant ce jeu, bordel de merde. L'épée à deux mains, c'est. Hein? La Fordhead version médiévale quoi. Ouais c'est ça quoi. L'épée à deux mains mec, avec le swing tu sais d'un côté à l'autre, mec c'est jouissif. Le feeling il est incroyable quoi. Putain, j'ai les yeux secs, j'oublie de cligner quoi. Tu penses que t'as fait toutes les maps ou pas encore? T'es peut-être pas encore tombé sur toutes? Celle-là c'est la première fois que je la vois. Nice. Ah, il y a un... je crois que c'est un troll au bruit. Mais j'ai vu que la fin. Il est où? Ah, il est là. Ah mais ce que tu mets. Ouais c'est mon ulti. Bon je vais pas claquer ma potion là. Bah t'inquiète, et tu feras plus que moi hein. Je te promets ton perso il est vraiment mais... Tu sais quand t'auras ton double ulti buildé pour faire des gros dégâts, mec ça va être infâme. Allez. Eh oh, touche pas mon pote toi. Ah. Bon. Bien, bien, bien. Là-bas, il y a des gros cons. Là, il y a un gros con. Pff, je m'attendais pas. En plus, avec le bruit, c'est trop bien. Ah, ça, c'est dangereux. Je vais le... Mais arrête de bouger con de toi. Putain. Voilà je l'ai healé parce que il commençait à pas être bien. Le nain aussi il est rigolo. J'ai vu que tu pouvais jouer en ingé avec une... Ouais exactement, l'ingé je pense qu'il te ferait marrer mec. Bon, c'est une grosse tourelle, hein. il a la mobilité d'un camion. Et ouais. Il doit, enfin comparé à l'elfe quoi. Et il doit refroidir son arme pour pas que ça surcharge ou je sais pas quoi.
Si j'ai bien compris. Je tue le mec. Ouais, mais par contre, ça fait des dégâts de porc quand les ennemis sont alignés et que tu peux tirer Penardos, mec, ça n'a aucun sens. Donc c'est un gros perso, mais je le trouve pas facile à jouer quand même. A mon avis, toi, tu l'aimerais lui. Puis t'es pas mêlé, moi, dans le... Ah, y'a un truc d'art. Hop là. Ça, j'ai pas compris à quoi servait. Alors, je vais pas la ramener moi non plus. Dès que je le vois, je le ping pour les gens et je le prends. En fait, ça me fait. Au bout d'un. Dès que t'en as 3, ça te fait un petit défi réussi. Donc, tu gagnes de la monnaie de cosmétiques. Et franchement, il y a des cosmétiques très stylés. Donc, je joue le jeu quoi. Bon, moi je vais prendre la petite popo. Je vous laisse tout le reste. J'en ai d'autres à des popos. Vie. Ah bah il y avait un livre apparemment. Ouais mais il va le ramasser. Au pire j'aurais peut-être le prendre. C'est sur le joueur c'est ça uniquement hein. Ça joue. Comment ça? Le livre c'est que le joueur qui prend. Alors le tome. Ouais le tome en fait il est à la place de ton. De tes heals. Okay. Du coup putain j'ai eu trop peur. Ah y'a quelqu'un qui m'a raid avec 8 personnes. Bah merci. Et du coup. Oh là! Du coup, ouais, t'as le grimoire qui va prendre de la vie de tout le monde. De la vie max. Ta vie max va diminuer. Oh putain. Et ça se met également à la place des potions secondaires du porteur, tu vois. Et. Putain, c'est le bordel là. Et les tomes, eux, ils vont. Ils vont se mettre à la place du heal du porteur uniquement. Mais ça n'a pas d'effet négatif sur le groupe. Merci beaucoup, Piv Yumko. J'ai eu peur. Derrière nous. Ah, attends. Faut que j'aide les potes. Oh, joli. Bon, bah, c'est en train de venir, mec. Ah, il y a un. Bon, bah, il est plus. Je veux que je touche. Aïe, putain. Poison de merde. Shaksumko, merci, c'est gentil. Ah oh mais poison ça t'éponce. Ouais reste pas l'emploi. En plus toi t'as pas énormément de vie en tant qu'elfe. Oh, putain. C'est moi ou ils sont turbo relou là. Qu'est-ce que comment Arnaud. Merci Warhammer Tris. Oh, j'adore ton pseudo, tout pseudo avec Warhammer dedans, je kiffe. Putain. Y'a des moines de la peste, je sais pas où mais. Ou alors c'est un cri qui était programmé mais. Ouais non y'en a. Bon, ça va. Vous vous en sortez pour péter les trucs? Fais gaffe, il y a du blindé. Ouais, ok. Hello. Putain, je vois pas mon chat. J'ai dû appuyer sur une touche qu'il fallait pas. Je vois pas mon chat et je suis obligé de regarder. J'y vois que dalle. Je suis vraiment un. Même avec mes lentilles, je suis un sale myope. Dis-moi. Non, le machin là fait n'importe quoi. Là-bas. On va bientôt perdre le nain. Ouais j'avoue il est pas frais quoi. Il nous en reste deux. Attends il y a encore des. Je vais rester en défense moi quand même. Ouais fais gaffe. Mais c'est où? En haut, ouais, c'est bon il est mort. Ouais il faut monter. Et il en reste un. C'est bon il a identifié ça va. C'est bon, on va pouvoir s'enfuir. Ah, le nain. On est en champion là parce que mon pote Ail Lutro, il découvre le jeu. Et il s'en sort plutôt bien d'ailleurs, putain. Et du coup, ouais, du coup j'ai mis en champion quand même parce qu'il peut pas de toute façon aller plus haut. Et le but c'est qu'il s'amuse quoi.
Et puis moi je vais pas la ramener, j'ai pas non plus un niveau de ouf hein. Moi je suis plutôt en légende pas trop mauvais. Avec quelques persos seulement. Et voilà. Et Lilo il découvre tranquillou. Il faut que je remette le chat visuellement pour moi sur mon écran parce que du coup là c'est super dur pour moi de voir. J'ai beau porter les lentilles, ma vue elle est quand même bien merdissimale. Putain mais t'es parti hyper vite. Je pensais que j'étais suivi. On va pas se faire chier là, ulti, allez. J'adore ce truc. Derrière nous. C'est bon. Aïe. On a perdu Jean-Michel. Ouais, visiblement. Le petit dernier là, voilà. Mais oh, on prend de la potion. Bon, on est bon. Voilà, nice. Et des nouveaux joueurs, ça fait plaisir. Bah ouais, écoute. Moi, en fait, ça fait longtemps que je l'ai et j'étais. Ah mais si, putain, il y a le. Mais il y a le chat. Non, c'est juste que je suis un tocard et je vois pas le. Je vois pas le chat. Donc en fait, il est carrément sur mon écran là. Mais du coup, ouais, moi, je suis pas tout à fait nouveau joueur. C'est juste que j'avais joué un petit peu et j'étais tout seul à ce moment-là. Et bah du coup c'est pas pareil quand t'es tout seul et que tu partages pas ce genre de jeu, il te manque un truc. Et du coup bah là je suis bien content que l'outro veuille venir parce que c'est quand même un jeu coop et toute l'essence du truc c'est de se marrer et dézinguer des trucs. C'est un peu mieux là. Bon, on n'a pas les deux grimoires et les trois tomes mais... Ouais mais c'est... Il y a que le tome de merde qu'on a eu juste avant. Et franchement, pour un level 13, c'est bien hein, ce que tu fais, hein. Tu fais presque autant de dégâts que les... Remarque, le répurgateur est que 19, mais il s'en sort bien. C'est peut-être le nain là qui est un peu slacké, un tueur, ça devrait faire un peu plus mal quand même, je pense. Tu prends peu de dégâts aussi, c'est bien. Tu vois, le répurgateur, il a pris 800 dégâts, hein. Il a pris le double de toi. Hein. Ouais, mais tu l'as senti, hein. Bah, il a pas arrêté de crever, hein. Ouais. Ah, c'est un peu mon défaut à moi, je quand on est en légende avec les autres qui jouent mieux que moi, mais je prends le triple des dégâts de ce qu'ils prennent et c'est pas normal quoi. Mais ouais, il est étonnamment skillé ce jeu, je m'attendais pas à un tel level. En fait t'as vu, il est cool à prendre en main, tu te défoules comme un gros con et en fait le jeu fait déjà son job, tu te marres. Mais si tu veux pousser, bah en fait t'as toute une notion de les armes réagissent différemment, les classes aussi, les points de talent vont t'apporter d'autres choses. Tu vas avoir différents modes de jeu mais je te laisserai découvrir petit à petit. Et puis ne serait-ce que esquive parade, mais mec c'est déjà un putain d'enfer si tu veux bien jouer quoi. Donc ouais j'étais assez scié en revenant et en m'y mettant plus sérieusement. Le nain il doit se dire mais qu'est-ce qui branle. Alors. Sur ce jeu je vais pas pouvoir jouer avec ces putains de touches là pour le charger. Et j'ai rien compris. Il faut que je mette la touche là pour marquer les. Ah pour pinguer. Ouais alors, comment je l'ai appelé moi. Ok c'est marqué, c'est bon je sais. Ouais moi c'est Alt, c'est marqué uniquement. Ah tu peux mettre qu'une touche. Ah t'as l'habitude d'en mettre deux toi. Pour certains trucs, bon ça peut être bien. Ah j'avoue j'ai jamais fait gaffe. Ouais, déjà ça sera mieux. Allez c'est bon. Je vais voir si je peux pas jouer autre chose. Qu'est-ce que je peux jouer là? Il me reste quoi? Ah mais il me reste que la sorcière. Sinon je peux passer. Ouais, je peux peut-être essayer le. Ouais je vais essayer le chasseur. En plus j'ai chopé une arme. Attends, je reviens. Ah bah non, j'ai pas besoin d'aller à la forge. J'ai chopé une. Ah bah je suis à 300 de pouvoir de héros. Ah j'ai deux arcs. Ah t'es à 300? Parfait. Ouais. Berserker Skaven.
Infanterie Scaven, On va c'est faire bien quoi ça. maintenant? Voilà. Je vais essayer le chasseur. Ouais. Je le joue peu donc. Joe le clodo, on l'appelle dans le milieu. Ouais, regarde ma gueule, mec. Il fait extrêmement tiep. C'est terrible. Swag, moins 10. Allez. Alors, par contre, là, même tu vois, j'ai mis champion, mais franchement, je sais tellement pas bien le jouer, lui. Il y a moyen qu'on n'y arrive pas. Merci de me vendre du rêve. Ouais, je suis désolé, mais je peux pas te mentir là, c'est. Et en plus, on est avec le nain qui n'a pas fait de dégâts sur la partie. Ouais, j'avoue. Double challenge. Absalom, il nous dit j'ai acheté le pire chapeau et le pire skin pour lui. Bon, en vrai, quitte à avoir une gueule de merde comme ça, je suis bien d'accord avec toi, autant foncer, tu vois, quelque part. C'est. Faisons les choses à fond, quoi. It appears that the trouble in Bergenhofen is down to a chaos rune sword. C'est là tu l'as fait ou tu sais pas trop? Alors, comment te dire? Oh, well good, si on fonctionne les lois d'Enmap, je ne reconnais pas. Again. Et aucune idée si j'ai déjà fait. Non, pas. Et elle est très stylée, mais j'ai tendance à me perdre encore dans celle-là. Oh, mais de toute façon, dis-moi où tu te perds pas. Alors par contre, il est con ce bot parce que tu sais, j'ai un bot qui rappelle ou qui propose aux gens de me suivre. Et sauf que comme c'est un texte dans le chat, bah, je le vois. Mais pendant ma game, ça, ils auraient dû faire en sorte que ce truc bah, n'apparaisse pas en fait. C'est trop con. Tu fais pas avec deux écrans du coup là? Si, j'ai deux écrans, ouais. Mais en fait, c'est juste que deux écrans, c'est une distance suffisante pour m'emmerder visuellement. Parce que je suis quand même ultra myope et astigmate. Et même avec les lentilles, mec, c'est. Ah merde, je suis. Attends, faut essayer de tuer l'autre con là qui s'est barré. Il est où ce con? Oh putain, c'est celle-là! Oh my god! Bon ben. Il va cut. Oh là là, je vais rien voir, j'ai pris un chasseur. Oh, je sais même pas quoi faire là. Attends, il y a un bruit de. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le principe de cette map, c'est hardcore, mec. Alors, je vais ramasser moi-même une torche et essayer de jouer avec. Ça sert à rien que j'essaie de viser, etc. Là, je vais juste pas y arriver. Oh putain, c'est chaud. Alors, où est la petite torche? C'est le nain qui l'a là pour l'instant. Je sais pas s'il y en a qu'une de torche. Ça, j'aime pas du tout comme là. Ah bah mec, t'es pas sorti en de l'auberge. De gameplay, c'est. C'est hyper dur. C'est hyper dur, tu vois. Attends, suis le nain. Quoi. Ah mais là c'est anxiogène, c'est la map de la peur. laisse-toi faire. Et il refait le même chemin cet imbécile. Je sais pas ce qu'il fait. Bon de toute façon je sais pas exactement où il faut aller donc moi je le suis. Hein. Bon bah là c'est de la moissonne. Ah. Je l'ai ou pas? Ouais je l'ai. C'est bon j'ai pris la torche moi-même, tu vas pouvoir me suivre. YOLO! Je préférais pas que ça soit le nain qui savait à peu près où il allait. Il y a plein de monde dans notre couloir. Je n'apprécie pas du tout ce sarcasme. Il y a du monde dans notre cul. Vas-y, 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 moi je tape devant. Oh putain. Ouais, il y a trop de monde dans notre cul là. Il y a trop de monde. Aïe! Putain mais crevé! Putain de con! C'est bon? J'arrive. On dirait. Wouhou! Ouais, je préfère qu'on voit mieux et tant pis, je suis pas super opti. Et je ferai une vraie game avec le chasseur tout à l'heure en plein air parce que là. Et le nain il a du feu aussi. Ouais, ouais, il a ramassé une torche. Mais en fait, le problème c'est que c'est à la place de nos armes habituelles donc c'est. Ça peut être quand même casse-couille. Genre toi. C'est pas un super truc pour toi, je préfère que tu sois au javelot quoi. Euh.
Ouais, je le suis, hein, je sais pas, je sais pas. Bah écoute, il a l'air de savoir où il va. Vous allez où là? Il y a Absalom qui a l'air d'insinuer qu'on on va pas du tout au bon endroit. Ah putain. Ah, je sens que ça va être du d'une tristesse. Ah, ça y est, c'est le bon endroit. Il y a un Packmaster. Il est là. Un Packmaster. Pourquoi je peux pas le pinguer? J'ai pas pu pinguer, c'est bizarre. Wouhou. C'est parce que j'ai cette arme là que je peux pas pinguer, tu crois? J'ai trouvé qu'un assassin qui voulait me buter. Ah, il y a un Gatling Rat ou un truc comme ça. Et je peux pas pinguer la putain de Taras. Je ne peux pas non plus apparemment. Je me demande si c'est pas parce que j'ai une torche. Ah merde, j'ai pas le bretonnien. Oh là là, et je fais n'importe quoi. Je fais défoncer le rondel là. Ouais, j'arrive. Merde, attends. Bah, sauf tout d'abord. C'est de tous les côtés là. Ah bah yes. Elle est où la torche? Là. Si tu peux sniper l'autre con là. Ouais, j'essaye. C'est bon. Y'en a un autre. Ok, il me dit que apparemment le ping dans le noir est très capricieux. Ok. J'ai plus besoin de rester en mail à un moment donné, moi. Aïe! Bon, en vrai, ça va, j'ai grave de vie. Tout va bien. Ah, il y a une vermine de choc. Ok, vous l'avez éclaté. Très bien. C'est un truc spécial ça? C'est lui ce connard qui m'a défoncé là. Ouais, les vermines de choc c'est dangereux parce que ils sont assez faciles à tuer, l'air de rien. C'est pas non plus extrêmement tanky. Sauf ceux-là, quand ils ont les boucliers, ils sont vraiment tanky. Mais par contre, ils tapent très fort. Il faut vraiment pas les sous-estimer. Ils sont. C'est des bons guerriers, franchement. Ah, mais c'est plutôt qu'ils visent le mec devant et c'est toi qui prends derrière. Hein. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Ok, tu t'es pris une petite popo? Ouais, je vais essayer de la bouffer. Y'a l'homme qui gueule comme un connard là. Aïe aïe aïe, putain. Casse-couille avec sa portée lui. Bon bah mec, là faut descendre. En vrai ça va, s'il y a deux mecs qui ont des torches, ça va quoi. Bon. Ah, derrière nous. Comme toujours, la règle du scaven dans ton dos. Partout en fait là. C'est brouillon quand même ce jeu. Ah ben là c'est fait pour hein. Ah, ah putain, et je peux pas en venir à bout avec ma torche de merde. Bon, j'essaie de le tanker un peu, de le garder bon ça va. Mais j'avoue, avec la torche, tu tues que dalle, hein. C'est abominable. Aïe, bâtard! Ah, héros, je me casse les couilles là. Et il visait un truc, c'est moi qui prends, trop du cul. Ah putain, je tire mal! Tire trop mal. Ah. Franchissez les portes. Cours Lilo, cours. Dégage. Oh putain. Faut allumer là, voilà.
Y'a pas, pas des gros là y a, ça manque de lumière ouais. Je vois rien. Alors l'arquebuse ça fait mal mais la recharge j'ai pas du tout l'habitude et je trouve ça très très long. Ah le nain il passe déjà putain. C'est horrible, en fait je lis le chat et je me mets en danger comme un gros naze. Absalom qui me dit elle fait de la lumière au sol, il est beau ton jeu, c'est pas une config wish que tu dois avoir. Non, il est, franchement il est pas mal mon PC, il était optimisé il y a quelques années mais c'est une 2080, mais c'est même pas une TI tu vois, c'est juste que mon PC j'en prends grave soin et quand je l'ai conçu il était vraiment il était bien quoi. Oup, voilà. Donc il vieillira bien ce PC, franchement il vieillira bien. Et de toute façon il vaut mieux parce que avec le. Oh putain merci. Avec les crypto-monnaies qui ont orchestré une espèce d'inflation des 7 enfers de cartes graphiques. Du coup c'est pas du tout le moment de, d'avoir besoin d'une CG quoi. C'est pour ça que la mienne ça tient comme ça et ça restera. Toi t'as quoi toi Lino? Une 1080, donc la génération encore d'avant. Une 1080 tu dis? Ouais. Ouais, bah elle était bien hein, déjà. Ouais. Ce jeu ça suffit largement. Ouais carrément. Bah moi je suis en 2080. Comme je fais pas de 3D et tu sais je faisais que du Photoshop, je fais pas de 3D moi donc du coup j'ai pas besoin de beaucoup de mémoire vive. Donc en mono application comme un jeu t'as 16 ça suffit. Et SSD bien sûr et qu'est-ce que j'ai d'autre. Ma carte mère je sais plus ce que c'était mais c'était une assez bonne, une Asus à l'époque. Et mon pros c'est un c'était un i7 je sais plus lequel. Je sais plus comment il s'appelle. Oh, c'était un 7600K ou un truc comme ça. J'ai peur de dire une connerie mais il me semble que c'est un truc comme ça. C'est un que j'ai moi. Ouais mais plus c'est peut-être celui juste avant le mien. J'adore faire du tir au close et faire de la merde avec et ça me fait trop marrer. Ah je sais pas où vous allez en fait. Je sais pas où vous êtes en fait. Ouais voilà vous êtes là. Évidemment. Mais putain mais c'est pas réactif du tout putain. Ah mais j'ai plus de mission, c'est peut-être pour ça aussi. Ça joue. Putain j'avais même pas calé qu'il y avait le zoom sur cette arme. Je suis vraiment un fin tocard. Qui gueule? Ah je l'ai pas eu. Chiasse. Il va arriver hein. Qui ça? Un gros débile. En armure. Oh, il est... Ah mais il est là. Eh. Horde incoming. Pas des deux côtés hein. Bon on va se mettre là. Youhou. Il y en a quand même beaucoup et je prends des petits coups. Mais bon, ça devrait aller. C'est derrière moi. Putain, mais c'est complètement derrière moi. Ouais. Dégage. Merde. Oh putain, ça m'énerve. Oh, je suis à terre. Je vais essayer d'arriver. Oh, ça sera trop tard, je pense. Ah ouais putain, tu te fais démolir à coup de guerrier du chaos. Ah mais moi aussi ouais. Ah ouais. Y'en a combien? En fait vous avez poulé une patrouille, bande de bourrins. Oh putain de merde. Non, c'est une patrouille ça. Ah bah j'imagine que oui. Attends, ils s'en sortent, ils s'en sortent. Nice. Ah mais lâchez-moi putain. C'est le nain qui les avait ramenés là ceux-là. Puis c'est barré, c'est enculé. Alors, si on se il est. Ok, allez, on va venir te chercher.
Bon, je suis une immense merde au fusil. Il faut vraiment que j'apprenne à le jouer. Mais en vrai, ça me change un peu et c'est rigolo. Que je reste pas dans ma zone de confort avec les corps à corps. Hein? Tu gardes des items level 300 ou t'es obligé de tout faire? T'es obligé de tout faire? Comment ça? Les items là que t'as en 300 plus, tu les conserves et tu peux les rééquiper sur un autre perso? Alors oui. Oui, en fait, si t'as par exemple un bouclier et une épée sur le bretonnien et que ton mercenaire peut les porter, il les verra. Ok. Du coup, je crois que je préfère le javelot en fait. Ouais, le javelot c'est cool, mais c'est un coup à choper juste. Ouais. Comme l'arquebuse, je suis une buse avec. Il faut aller où là? En même temps, l'arquebuse est faite pour les élites et les spéciaux, pas la horde. Ouais, là je l'ai bien senti tout à l'heure. Je me sentais pas mal. Ah! Pas mal inutile. Oh putain. T'es derrière nous? Ouais. Attends, je crois qu'il y a ma chérie qui me parle. Attends, mon cœur, je peux pas là, deux secondes. La pauvre. Tu m'entends ou pas? Qu'est-ce que tu fais de beau? Oh, c'est cool. Ah, ça sent derrière nous. Ça marche, bisous mon bébé. Elle est mignonne. Y a un globadier par là. Ah, il est là. Non, il est où? Oh putain, cette espèce de headshot châteux de l'enfer. Y'a un assa là, non? J'ai un peu craqué avec mon ulti, moi. Bah, j'ai complètement craqué. Ulti le plus useless de la galaxie que je viens de faire. Vous l'avez vu. Mais dégage, putain! Et BO. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Donc là, il va falloir ouvrir la. Bah, la porte. Ok, merci. J'avoue, c'était pas extrêmement pertinent. Non, il y a une porte, il faut l'ouvrir. Franchement, j'aurais jamais deviné sans toi. J'avais pris un tome là. Nice. Attends, y a des petits cons là. Ouais. J'arrive derrière. Hein. Là, je vérifie toujours qu'il n'y ait personne derrière nous. Pas calculé les distances encore. Ouais, moi aussi, des fois, il y a. Et surtout quand je change d'arme, en fait, j'ai pas l'habitude. Oh putain, j'ai fait un tir réflexe, mec. J'avais l'impression que j'étais assez loin pour pas me faire toucher. Faut essayer de le relever si vous pouvez. Moi je vais occuper le. Ah merde. Non, c'est bon. Allez, je les occupe, relevez-les. C'est bon. Ah, il y a un sorcier, il est où? Là-haut. Mais merde, j'ai tapé à côté comme un gros débilos. Oh mais je l'ai eu là! Ce bâtard! Ah, y'en a peut-être deux par contre, non? Ouais, y'en a deux. Non, c'est pas ça? Je ne sais pas où on active le truc. Donc je vais essayer de. Poursuit sa merde de truc là. Le push attaque de ton arme est vraiment bien. Ah, le push, tu veux dire ça là? J'avais le.
Le truc du sorcier qui me poursuivait. Je sais pas où il faut aller, tu sais, pour activer le truc qu'on doit activer. Je vais pas te suivre déjà. Ouais, ça peut durer un tout petit peu. Écoute, le nain il sait où il va lui. C'est vrai? Ou pas? Non. C'est une catastrophe. Putain, mais con de nous quoi. Il faut laisser le clic gauche enfoncé après le push. Ah, mais je savais pas! De quoi? Bah, il vient de m'apprendre un truc. Ah putain, j'adore! En fait, ça fait avancer quoi. Oh, j'adore! Alors, en fait, j'ai selon les armes, la manipulation de ce que. Enfin, les clics et tout ça que tu vas faire vont faire des effets tout à fait différents. Et bah ouais, je vois j'ai ça. J'ai la clé pour la porte, hein. D'accord, et du coup, bah là, ce que j'ai, donc c'est épée plus masse à une main. Putain, l'autre il me tend des pièges avec les trucs qui pètent. Ça a un effet particulier quand je fais une parade. Tu sais, quand tu fais une parade et que tu cliques gauche en plus, il y a une espèce de. Tu repousses les adversaires. Et ben, si je fais. Je maintiens clic droit, puis je maintiens clic gauche, ben ça fait. Il pousse et il tape. Et c'est parce que j'ai cette combinaison d'armes. C'est trop stylé. Et je savais pas du tout. Ben, merci du coup, c'est Absalom. Ah merde, bon, je viens de passer pour un énorme tocard. Toutes les armes ont ça. C'est excellent. Voilà. Stellar, il doit être mort de rire dans son coin. Il est à loin. Ouf, putain. Boum, pipoum, pipoum. Alors, là, on va subir 5 vagues et il faut aller chercher. Des interrupteurs cachés, laisse-moi deviner. Ouais, c'est ça. Et c'était écrit, c'est ça? Ah, c'était écrit. Voilà, je suis dans le obvious ce soir. Ah ouais, mais j'adore. Ouais, j'ai fait le premier. Nice. Ah, oh, y'a du monde. Et putain, mais à chaque fois je tape à côté, je suis vraiment un débile. Voilà. Putain, il a pop devant ma gueule lui. Mais non. Oh, j'adore ce truc. Oh là là. Alors attends, qu'est-ce qu'il me dit? Tu le mixes avec 30% de récupération d'endurance, les shields c'est vrai. Ah d'accord, putain, mais bien sûr. Bah merci pour vos conseils les gars, franchement là, c'est, encore une fois hein, ça confirme ce que je disais à l'outro mon pote. C'est que ce jeu il semble pas être aussi riche que ça en réalité. Il est assez complexe quoi. Bah je te brieferai sur ce qu'ils m'ont dit Lilo. C'est moi ou il y a un mec qui en chie en bas là-bas? Vous êtes plus que 3. Oh putain. Ah, je suis obligé d'y aller là. On était un peu tout seul. On était un peu tout seul, ouais. Merde, change d'arme. Meurs, con de toi. Bon, il te restait plus que deux interrupteurs. Non mais attends, je vais te raise hein. C'est parti, ah t'es là. Tu peux. Putain, on est dans la même pièce. Je vais raise l'autre. Fais gaffe à ta vie, hein, ne meurs pas. Ouais, bah. Comme s'il y avait du monde. Hein. Oups, et je vais aller chercher l'autre. Ah
Le dernier. Si j'y arrive un. Ouais, t'y vas? Moi je vais activer le dernier truc là, je sais même pas où il y a. Je vais y arriver. Non, je peux pas. Putain, c'est juste ça. Okay. Ah bah non. Vraiment? Vous en sortez ou comment? L'autre va s'en sortir, ouais. Merde, j'ai tiré comme une merde. T'as sourd. Viens dé et on va s'enfuir tout de suite. Viens. Run! Bah vous descendez à nous. D'accord. Tu viens de tuer le nain, c'était dans le kill feed. J'ai pas vu. C'est excellent, j'ai buté le nain. Ouais, mais il l'a pas volé aussi. Allez, on s'arrache. Viens. Ouais. Nice. Extraordinaire celle-là pour moi. Oui. Bah c'était. Attends, la première partie c'est. Putain, je confonds les games. C'était celle où on était dans l'obscurité là. Celle-là. C'est un petit GG quand même. Tu m'étonnes mec, on a fait n'importe quoi. Moi j'ai tiré sur mes potes. J'ai presque pas tiré en vrai. J'ai passé ma game à combattre avec la torche et à pas réussir à viser donc. C'est un petit GG. Ah c'est con, j'ai plus de quoi boire un petit verre, j'aurais bien bu un verre. Ouais c'est vraiment un petit GG, hein. J'ai fait plus mais oui, c'est pas dégâts, j'ai suivi putain. Ah ouais t'as pris ultra cher. Ah tu t'es fait démolir. C'est complet. Je suis mal joué que ça. Je sais pas si je prends. C'est un 2. Je vais peut-être jouer le prêtre de Sigma. Et à un moment donné, je peux avoir de nouveaux talents quoi. Bah quand tu vas arriver 15 normalement. Quoi. Non, ça va. Franchement, ça va aller très vite, tu vas voir. Je sais pas ce qu'il me conseille de jouer là avec la meuf là. Un build au. À l'arc. Bah honnêtement le javelot, enfin la javeline là c'est super fort. Tu voudrais échanger? Non. Je pense qu'il faut pas que je prenne deux javelots en fait. Ah bah non. Sur les deux armes faut que j'entre, ouais. Ce que t'as là c'est fort le glaive parce que c'est perce armure et casse bouclier. Et Absalom, il te recommande javelot plus quelque chose de rapide, par exemple deux épées ou une épée, une dague ou double dague. Le danger de double dague, c'est que t'as peu d'allonge. Je le joue moi avec l'ombre, je te déconseille, t'es vulnérable, c'est risqué. Le double épée ou épée dague, c'est très fort. Mais c'est vrai que ça, comme il dit, ça dépend des gameplays, avec quoi t'es à l'aise, mais... L'inconvénient de l'arme que t'as, c'est qu'elle est un peu lourde, un peu lente, mais par contre elle fait très mal, et elle casse les boucliers et les armures, donc c'est quand même pas mal. Attends, je vais monter un peu ta voix parce que dès qu'ils se mettent à parler dans le jeu, c'est gros con, je t'entends très mal. Vas-y, reparle un peu. J'ai soit le glaive, ouais. Soit une épée qui est à peu près le même niveau. Si t'as qu'une seule épée, je te conseille le glaive dans ce cas-là. Allez, c'est bon. Attends, moi j'ai quoi comme arme, j'ai même pas regardé. Oui, ouais, bon, ça passe. Normalement j'ai des nouveaux talents. Pareil sur les talents, je sais pas quoi prendre. Hein. Oh, j'ai une hache. C'est de blague. J'ai une hache rouge, mais je savais même pas que j'avais ça.
Ouais, paire de pistolets, rapière. Bon, let's go. Hein. Bah, si vous avez des conseils pour la rapière, n'hésitez pas, hein, parce que je suis quand même un fin débutant, quoi. Ouais, je suis d'accord, Absalom. Je suis vraiment d'accord avec toi, Absalom. C'est vraiment. Y a des armes très fortes entre les mains de quelqu'un, et en fait, toi, tu vas pas réussir à la maîtriser, ou tu vas pas avoir un bon feeling, et du coup, ça devient un chier. Il vaut mieux. Tu vois, par exemple, l'ombre, je vois personne la jouer avec l'arbalète à salve, et moi, je suis hyper à l'aise avec ce con de truc. Donc je continue, en fait je suis à l'aise avec. Hein, Caroline. Alors on a quoi là? Ouais, la rapière c'est une super arme, mais je sais pas bien la jouer, celle-là. Donc là vous allez bien pouvoir vous marrer, je pense. I suppose there is nothing for it but to go and take a wee look and remonstrate where appropriate. Attends, parer et attaquer en même temps? C'est avec le pigeon, je l'ai jamais fait. Avec le pigeon. Kill, kill, kill. Ouais, elle a un coup spécial, c'est ça. C'est ça. Donc là, je pars et je tire en même temps, c'est ça. C'est pas ça? Oui, voilà, c'est ça. Et ben c'est Stellar qui me. Ou Woolstone, je sais plus. Qui m'a donné l'info, genre hier, quoi. Oh! Mais c'est ultra stylé! Ou alors, non, t'as tiré ton javelot en même temps et j'ai eu l'impression que c'était moi. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, j'ai tiré mon javelot. Je suis tiré dessus, en fait. Ouais, ouais. J'aime bien tirer sur les gens. On a mis Wenmi, on s'en bat avec. Tu peux le faire hors parade aussi. Ah d'accord, je croyais qu'il fallait forcément faire le clic droit. Oh j'adore. Bon, il va falloir que je m'habitue, hein. ne rigolez pas trop. Bah si, marrez-vous en vrai, on s'en fout. La push attaque est très forte sur cette arme. Alors t'as la push attaque, ok. Bon là je dois plus avoir d'endurance mais... Alors, hop là, bien vu. Alors, si je me rappelle bien, les pistolets c'est nul contre les blindés, c'est ça. Hein. Donc là, je dois viser la tête. Putain, mais ouais, mais de ouf! Un gros truc là qui arrive. Oh putain, je vais l'adorer. Il faut absolument que je perfectionne avec ce perso. Je sens que je vais l'adorer. Ah putain, mais j'avais pas vu les gars. C'est quoi déjà mon ulti? Je le connais plus. Ah merde, c'est quoi déjà mon ulti? Je me rappelle pas. On est bien. Bon. Ah oui, essaie de ne pas te faire choper. Aïe. Oui. Non, merde, je dis ça et c'est moi qui me fais choper. Ah, bah non, il m'a pas eu. C'est mieux ça. Bah écoute, je pense que je pue globalement la merde, mais je m'amuse. C'est déjà pas si mal. Alors mon ulti, je crois qu'il ressemble à celui de Kruber, non? Enfin de Kruber, de... Bah oui, si, de Kruber. C'est genre, il repousse les ennemis, c'est ça? Et ça augmente les chances de crit en même temps. Il me semble que c'est un truc comme ça. Là, tu as une potion d'ulti. Ça veut dire que pendant X secondes, ton ulti se recharge à toute vitesse. C'est les potions violettes. C'est quoi? C'est juste le... Mon arbre, enfin mes arbres, hein. Oui, mais ils font un peu de dégâts, ne les sous-estime pas, hein. Ils feront beaucoup plus de dégâts après, mais c'est déjà un petit burst, okay. Hein, en local. Bon, ce sera beaucoup plus puissant après, hein, je te cache pas. Mais l'air de rien, ça peut bloquer une issue et ça fait des dégâts. Donc là, t'as des munitions, mais toi, tu t'en branles.
Enfin, je vais... Ouais, je vais quand même les pinguer au cas où. Mais... Ah oui, putain, n'oublie pas de pinguer parce que tout ce que tu vois, tu ping parce qu'on fera des dégâts supplémentaires dessus. Ouais, tu me l'as dit. Ouais. Si moi putain je m'en souviens de celle-là. Ah putain c'est 25% de chance de crit. Ah ouais mon ulti en fait il est ultime. Ouais. C'était pas ouf. Coucou Titi, ça va? Monsieur l'exterminateur de vermine. Ouais, peu importe qui ping, on est d'accord, hein. Ouais. Ah, il y a le sorcier quelque part. Let's go! Ah, j'ai entendu le sorcier, il est où? Au-dessus. Il est là. Hey! Je sais pas pourquoi je sens que je vais avoir un feeling avec ce perso. Il me plaît trop, il faut que je m'entraîne avec. Hésite pas si tu as des questions, j'ai saigné le jeu à vrai dire. Oui oui je suis persuadé que je suis encore tombé sur un Woolstone ou un Stellar. T'as juste un pseudo différent mais vous êtes les mêmes hardcore vétérans du jeu. Ouais ouais, dès que j'aurai une question, je te dirai, t'inquiète, c'est gentil. Oh mais ça me fait trop marrer, oh ça me fait trop marrer, j'adore. Ah mais tu le connais, Woolstone? Ouais Titi, c'est ça, c'est comme Windstorm de Dota, c'est les mêmes mais sur Vermintide, c'est terrible. Il y a du monde là. Merde, putain, mais j'arrive pas à sauter. Comme un gros débilos. Et on attend quoi là en fait? Bah là je crois que c'est bon, on a tout ouvert. Attends, il est là. Ah en fait il fallait ouvrir plusieurs trucs et ça y est là on les a ouverts. Donc là on remonte. Bah trop pas. Il manquait un dernier coup. Qui tape? Qui tape? Bon on est bon ou pas là? C'est pas bon de jouer tout le temps au même jeu, Grindr, tu devrais jouer un peu à Dota je pense. Eh ben tu crois pas si bien dire, je l'ai réinstallé. En fait j'ai une pote qui stream aussi d'ailleurs. Qui était qui est une ancienne étudiante de mon école. Et elle voudrait. En fait elle joue à LOL et elle voudrait essayer Dota. Et comme elle sait que j'adore Dota, même si je suis pas du tout du niveau de Windstorm, hein, bah du coup on va se faire. Mais putain mais on a pas encore ouvert ce truc. On va se faire des petites sessions où je vais lui apprendre tranquillement Dota si elle perd pas patience et moi non plus. En vrai c'est un coup à mettre fin à notre amitié je pense mais on va essayer quoi. Bah, j'avoue Dota avec toi, putain ça va être insupportable. Non en vrai ça va, on est cool quand même, nous on n'est pas des gros rageux.
À une époque, ouais, à une époque, on était un peu rageux. Mais maintenant, on a un peu rien à foutre. Bon. On est bon là ou pas? Parce que c'est... Il se passe un truc là ou quoi? Mais ouais, c'est infernal. Ou alors on appuie pas sur les bons, on est des gros glands, mais. Mais même pas, mais putain de merde! En fait, mais qu'est-ce qu'on fait de mal, je sais pas. Normalement, ça dure beaucoup moins longtemps, on est vraiment des gros glands. Pitié dans le chat, quel truc faut appuyer sur un truc en particulier? Comment ça se passe? C'est ce symbole là? Tu peux me dire quel symbole il y a au-dessus de la porte? Putain, mais c'est ça. On est vraiment des gros glands, quoi. J'en veux. En plus, c'est écrit en haut. 2 sur 3. On est vraiment nuls à chier. Un rond avec une... au milieu. Un grand rond avec une croix au milieu? Ok. Ouais. D'accord. Allez, viens. Deviens actif. Il se passe toujours rien. Si, c'est bon. Là, j'ai appuyé sur la bonne. C'est bon? Oh putain. Ah! Allez, faut se réveiller parce que ça nous a endormi cette merde. Ah bah tiens. Ah, bah, tu l'as pas volé? Oh, je vois Dieu esquiver, je suis nul. Mais toujours au dernier moment. Oh, il m'a esquivé ou j'ai rêvé? Ce bâtard. Ah, je peux pas monter comme ça. Et où? Je suis pas super frais, hein. Merde, mais qu'est-ce que. Mais où je tire moi, putain, mais... Y'a pas une. Un petit quelque chose? Ah, attends, y'a des munitions là. Ah voilà. Non, ils m'ont pris les munitions aussi. J'ai plus que 6 balles. Ah, yes, parfait. C'est tout. Alors, t'as Kama Freeze pour moi, je sais pas si c'est moi qui bug. Putain, mais il me tire dessus, son foiré. Ah non, effectivement, je la vois Freeze aussi. Et le son est bon? Non, mais les gars. Non, je me fais traîner aussi, putain. J'essaie de passer, mais. Qui fait le tour. Ouais grave, putain de merde. Ah mais putain, non, mais... Putain, c'est l'enfer quoi. Ah tu vois quand le jeu veut ta mort, mais il te défonce quoi. Ah mais les connards quoi. Alors du coup la caméra a freeze. Faut prendre un livre apparemment. Un livre de cul. Bon. Attends. Où c'est? Ok, pleine tête. Et il est pas mort? Bâtard. Alors attends, j'essaie de régler la cam. Comment je peux faire? Je ne sais pas trop comment je fais. Je ne sais pas trop utiliser ce truc, je le découvre en même temps. Webcam. Aïe. Donc clairement c'est leur appli qui a bugué parce que ouais c'est leur appli qui a bugué parce que sur mon ordi je vais le voir sur la gueule, je vais mourir. Attends, passe devant toi, tiens, ça te fera du bien. Re-shooter dans le cul en fait hein. Bien sûr. Eh hey, mais putain je pouvais pas tirer. Cette blague quoi.
Ah mais j'ai plus de munitions. Le poulet. Bon. Pas de munitions, pas de munitions. Putain. Bon les gars, j'ai pas de munitions, donc là il va falloir se démerder autrement. Bon, on va rester en hauteur. Viens, 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 replie-toi ici. Allez, hein. Ouais, là on est bien. Se démerder. Aïe 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 aïe. Mais il va où ce con de même? Là t'as un écran noir Titi toi? Alors attends. Ah, alors attends. Je relance. Ouais ouais j'arrive j'arrive j'arrive. En fait j'essaie de relancer le stream mais pour l'instant il veut même pas se fermer donc c'est un peu bizarre. Ouais donc l'appli Twitch bah elle est en bêta donc bon.